que Marc Guérin est le père de Lorraine. Je t'ai menti, c'est tout. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de solutions pour en terminer avec cette histoire. Tuer mes amis n'a jamais été mon sport favori. Tu pars d'ici, très loin, définitivement. Et si je refuse? Tu penses vraiment qu'il va rester au Brésil cette fois-ci? Jusqu'à la fin de ses jours. Mais tu pourrais prendre ma place si tu voulais. Tu me laisses partir, du moment que tu la fermes. Ethan Cipriani, chanté. Tu t'intéresses au secrétaire maintenant. Quand cette petite Lorraine connaîtra la vérité, plus jamais elle ne voudra lui adresser la parole. Cette gamine joue avec le feu. Laissons-la se brûler une bonne fois pour toutes. Je comprends pas. Comment pourrait-elle savoir la vérité? Parce que nous allons le lui dire, mon cher Alfred. Marc Guérin est bien ton père. Quand ta mère et lui se sont rencontrés, elle est très vite tombée enceinte. Tu es née dans des circonstances très difficiles, Lorraine. Tu étais forte. Tu as survécu. Pas ta sœur jumelle. Est-ce que vous avez dit, là? Tu avais une sœur jumelle. Elle n'a pas survécu. Les médecins n'ont pas pu la sauver. J'ai tout fait pour t'épargner cette vérité sordide. Elle est où? Comment ça? Ma sœur, elle est où? Vous l'avez enterrée où? Conformément aux vœux de ta mère, elle a été incinérée. Lorraine. Oh, aidez-moi. Et puis ma mère, elle voulait pas que j'invite des gens à la maison. Et puis de toute façon, on déménageait tout le temps. Alors j'avais pas le temps de me faire des amis. Ah, sauf un jour, j'en ai eu un qui s'appelait Jean. Et alors? Rien. Après, il est parti. De toute façon, je passais mon temps à fabriquer des maquettes d'avions tout seul dans ma chambre, avec des bouts de cagettes. Mais depuis, tu t'es bien fait des amis quelque part? Je sais pas, au boulot, par exemple. Ah, mais tu fais quoi, d'ailleurs? Je travaille dans une autre ligne informatique. Ouais. Et y a pas des gens sympas parmi tes collègues? Je sais pas, on est tout seul dans des petits box. Et puis les gens restent pas longtemps, tout le monde est en intérim. Et t'as pensé à prendre un animal de compagnie? Je suis allergique aux poils et aux plumes. Bon, j'y sais. Demain, au boulot, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas aller voir quelqu'un et tu vas lui dire un truc gentil. Gentil? Ouais, sur son sourire ou ses habits ou... Je sais pas, tu vas essayer de faire connaissance, quoi. D'accord. D'accord. Et je vais te donner mon numéro perso, comme ça demain tu m'appelles pour me raconter. Promis? Promis. Jade? Mhm. On peut se voir? Bonjour chérie. Je ne t'ai pas entendu te lever. Tu as l'air fatiguée. Je n'ai pas dormi. Ah bon? Pourquoi tu m'as rien dit, Philippe? Rien dit de quoi? Depuis le début, tu savais que Marc Guérin était le père de Lorraine. Pourquoi tu m'as rien dit? Catherine, je voulais t'en parler. Depuis des semaines, cette pauvre gamine cherchait désespérément des traces de son père et toi, tu as même pas ouvert la bouche. Marc ne voulait pas qu'elle sache la vérité. Je lui avais donné ma parole. Marc? Oui, Marc. Marc Guérin ne voulait pas qu'elle sache la vérité, mais moi, je suis ta femme, on est mariés depuis 20 ans. Je n'ai pas voulu te mêler à ça. Parfois, on ment aux gens qu'on aime pour mieux les protéger. Oh, arrête. Et cette histoire-là avec Alfred, lui faire croire que c'était son père, pourquoi? Pour Marc. Ah, oh, Marc. C'est lui qui a demandé à Alfred de jouer ce rôle. Marc a fui ses responsabilités, comme d'habitude. Il n'assumait pas son passé sordide de père alcoolo qui a abandonné sa femme en couche.
Il voulait que Lorraine ait un père dont elle n'ait pas honte. Alfred faisait à peu près l'affaire. Ah oui. Comment il a pu accepter un truc pareil? Par amitié pour Marc. Par compassion pour Lorraine aussi. Oui, bien sûr. Alfred en bon samaritain. Ah oui. Non mais quitte à me raconter n'importe quoi, Philippe, essaye au moins d'inventer des mensonges crédibles. Catherine, c'est la vérité. La vérité? Oui, la vérité. Chérie, arrête de te rendre malheureuse comme ça pour Lorraine. Ce n'est pas ta fille, d'accord? C'est pas pour elle que je suis malheureuse. C'est pour nous. Je pourrais plus te faire confiance. Dans le fond, on partage plus rien, toi et moi. Chérie. Très très bon restaurant japonais sur la 5e avenue, en face de Central Park. Voilà, il faut absolument qu'il y aille, les sushis sont à tomber partout. Mais enfin, où est-ce que vous vous croyez? Vous sortez immédiatement de mon bureau. Je déteste être interrompue en pleine conversation. Vous êtes une petite dinde arriviste. Vous allez me laisser votre bureau pour que je puisse tranquillement rappeler mon ami à New York. Ou sinon, je me ferai un plaisir d'aller dire à Monsieur Cipriani que vous vous envoyez en l'air avec son fils. Eh oui, j'ai deviné en voyant tous les deux hier dans votre bureau. Dinde, fouineuse, maître chanteur. Vous accumulez toutes les qualités. Philippe a encore frappé très fort dans son recrutement. Oh, mais rassurez-vous, je ne vous détrônerai pas. Coucher avec le petit ami de sa propre fille, ça, ça reste encore au-dessus du lot. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, là? Vous me faites tellement penser à moi, à mes débuts. Peut-être que nous sommes partis sur de fausses bases et que, plutôt que de perdre du temps, nous devrions unir nos forces. Jusqu'ici, je me suis toujours passée du conseil des aïeuls. Et je m'en porte très bien. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de quelque chose. Je suis sûre que ça fait faire une injection de Botox entre les yeux. Hein? Qui ça? La mère de Violette. T'as pas vu? Elle est toute figée du front. Excuse-moi, faut que je réponde. Oui, j'y sais. Quelque chose de gentil. Dire à quelqu'un que tu connais pas qu'il a des pellicules, c'est pas très gentil, ça. Même si ça peut lui rendre service. Hein? Oui, d'accord. Salut. C'est qui, ce JC? Un mec que j'ai rencontré par hasard. Bon, on y va? Et ton numéro de téléphone, il l'a eu par hasard aussi? J'aimerais bien voir la nouvelle collection de la styliste Scarlett Truc, là. Tu sais, l'anglaise. Scarlett Riley's? Ouais. Pourquoi? T'as envie de t'acheter de la lingerie? Je t'en rejoins. J'y sais. Mais non, tu peux pas dormir là tous les soirs. Et oui, bien sûr, je suis là pour toi, mais... D'accord, mais c'est la dernière fois, hein. Oui. Oui, salut. Bon, c'est qui? Allez, tu peux me le dire, c'est ton mec. On peut pas acheter une robe pour ton casting, là? Si. Bon, on y va, parce que demain, c'est le premier jour des soldes. Ça va être noir de quoi. Lorraine a appris que Marc était son vrai père. Philippe lui a tout raconté. Bon, alors ça y est, la mascarade s'affaille, c'est terminé. Ben, dommage, je commence à y prendre goût, au rôle de la femme trahie mais digne qui accepte la bâtarde de son mari. On va devoir dire à Hermione que Lorraine n'est pas sa sœur. Ça a dû être difficile pour toi. Surtout le regard d'Hermione, elle m'en voulait tellement, tu pouvais pas savoir. Quel caractère elle a, celle-là. Mais je supporterai pas de la perdre. Il faut jamais qu'elle apprenne que tu es stérile. Mais non, bien sûr que non. Ne t'inquiète pas, elle ne saura jamais rien. Est-ce qu'on a reçu la réponse de Dubaï pour les portes-containers? Oui, je l'ai mise dans le dossier. Attends, ça doit être par là. Tiens.
J'ai reçu ce fax par erreur. J'imagine qu'il est adressé à Philippe, mais comme il n'est pas là, un de nos cargos est bloqué à Amsterdam. Apparemment, les douaniers le soupçonnent de transporter de la contrefaçon. Allez voir ça sur place et régler ça au plus vite. Il est hors de question qu'un de nos navires reste bloqué 2 jours là-bas. 3 jours. Pardon ? 3 jours. C'est la durée légale d'immobilisation d'un navire par les douanes. Le temps que l'entreprise victime dépose son dossier en urgence. Allez voir ça sur place et vous emmènerez Mademoiselle Campos dans vos bagages. Ça nous fera des vacances à tous, n'est-ce pas ? Je ne peux pas partir à Amsterdam. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien, parce que je me suis fait voler mon sac la semaine dernière avec tous mes papiers. J'ai pas encore eu le temps d'aller à la préfecture. Écoutez, je peux très bien régler cette affaire tout seul. Bien. T'es chaud et t'as la cote. Pourquoi t'as des chocottes ? Qu'est-ce qui t'effraie ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on voudrait voir au fond ? Elle est là, Jade ? Non, 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 elle est pas là. Mais je sais pas, tu veux boire quelque chose ? Jade, il faut que je dise à Jade quelle est la lumière au bout du tunnel. T'es un pote de Jade, toi ? Non, je suis son calvaire. Oh, je m'en veux tellement de la déranger tout le temps. Mais maintenant, c'est fini, j'ai compris. C'est elle qui avait raison. J'ai fait des efforts. Je suis venu le présenter Maurice. Ça va lui faire plaisir à Jade de rencontrer Maurice. Ok, 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 d'accord, Maurice. Maurice, c'est ça ? Non, moi, c'est JC, pas Maurice. Lui, c'est Maurice. C'est mon nouvel animal de compagnie. Maurice et moi, on va attendre Jade. C'est quoi ce truc ? JC. Et là, tu vois, son poisson, c'est Maurice. JC, le mec de Jade ? Ouais. Enfin, si ce taré et Jade font un gosse, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein, ça. Attends, c'est pas possible. Ça va pas être son mec. Non, Hermione. Laisse tomber, tu vas rien en tirer. Ce mec, il vient d'une autre planète. Est-ce que tu verras un inconvénient existentiel à manger un sushi ? Bon, tu lui veux quoi, Jade ? Jade, il faut que je dise à Jade quelle est ma raison de vivre. Et toi, c'est quoi ta raison de vivre ? Je pique. Tout de suite. J'aime pas trop les mouches. Ça y est, c'est terminé. Lorraine sait ce qu'elle doit savoir pour le reste. Tiens. Tu vois, finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. J'ai pas envie de fêter ça. Ma vie n'est qu'un amas de mensonges. Je n'arrive même plus à me regarder dans une glace. Je me sens sale. Arrête un peu tes conneries, tu veux bien ? Tu as eu ce que tu voulais, non ? Et ça t'a rendu heureux. Alors arrête de faire chier. Il est où, Marc ? Ça va aller, ma puce, tu vas voir. Faut que je parle à Marc. Il est pas là. Il est parti. Il est parti. Marc s'est enfui. C'est Philippe qui t'a dit ça. Il faut pas croire Philippe. Je pense pas qu'il mente cette fois-ci. Moi aussi, à la place de Marc, j'aurais fui. Je ne crois pas qu'il pourra soutenir ton regard maintenant que tu sais quel minable il a été avec ta mère. Comment peut-on laisser sa femme accoucher seule et dans des conditions pareilles ? Oh, excuse-moi. C'était mieux quand on savait rien. Je suis désolé, ma Lorraine. Quand on allait cueillir les opaques dans le jardin. Tu te souviens ? J'ai soif. T'es brûlante.
Faudrait qu'on fasse venir un docteur. Non, j'ai juste soif. Ne préviens pas maman, s'il te plaît. Catherine ! Ce dingue t'a attendu 3 heures avec son poisson rouge. Mais c'est pas un dingue, il est juste un peu seul. Et un peu suicidaire. Il est complètement taré et il a fait une fixette sur toi. Où est-ce que tu l'as rencontré ? T'as suivi dans la rue, c'est ça ? Mais non. Bon, écoute, je suis bénévole à SOS Solitude le soir entre 22h et minuit. Voilà, t'es contente ? Alors, il a appelé plusieurs fois, on a sympathisé, et puis... Mais il était pas bien, je sais pas, il m'a touchée, alors je lui ai filé mon adresse et... Depuis, il dort sur mon paillasson. Quoi ? Ce type dort sur ton paillasson ? Mais t'es complètement malade, hein ? J'appelle les flics, faut qu'il le dégage. Non mais t'es folle ! Mais non, mais il est pas méchant, j'y sais, c'est juste qu'il est très seul. Il a besoin que quelqu'un s'intéresse à lui, un peu. Il a trucidé une mouche. Oui, bah forcément, toi, ça te dépasse, hein. T'as une famille, t'as des amis... Tu sais pas ce que c'est d'être seul, d'être différent des autres. Jade, ce type dort sur ton paillasson. Oui, bah ce soir, il va dormir chez moi, parce que le paillasson... Quoi ? T'es complètement malade, hein. Si t'as vraiment besoin de te faire un mec, y a d'autres moyens. T'es pas obligée de te taper à la sortie de Sainte-Anne. Je sais, mais je me suis attachée à lui, je sais pas... Je sais qu'il paraît dingue de l'extérieur, mais en fait, c'est quelqu'un de très intelligent et de très structuré. Par exemple, j'ai découvert que ces périodes suicidaires se déclenchaient toujours après un stade de stress intense et qu'elles étaient toujours suivies d'une phase de trichotillomanie. De quoi ? Trichotillomanie. Ça veut dire qu'il s'arrache compulsivement les cheveux et les poils. Non, mais je te jure, ce mec, c'est un cours de psychiatrie à lui tout seul. T'es complètement folle, hein ? Mais non. J'ai un cobaye humain à disposition, alors je vais étudier sa vie quotidienne et écrire un article sur lui et ses névroses. Ouais. Mais avant de commencer son article, tu ferais bien de faire ton testament. Mmh. Ton testament. T'as quoi ? Tu te souviens de Monsieur Massonnet ? Bon, eh bien, je l'ai croisé hier soir, il m'a invité à dîner. Je t'assure, c'est véridique. Je te rappelle. Ça va pas bien, non ? Non, ça va très bien, au contraire. Bon, vous allez me faire le plaisir de corriger toutes les coquilles de tous ces dossiers. Moi, j'ai rendez-vous au spa pour un massage californien. Je vais surtout me faire le plaisir d'avoir une petite conversation avec Monsieur Cyprien. Très bien, je vous accompagne comme ça, alors je pourrai lui parler de votre CV. Je me suis permise de vérifier. Ah, vous n'avez pas fait votre master. Vous n'avez fait que 2 stages dans des PME obscures et vous vous êtes fait renvoyer de votre dernier job. Mais tout ça n'est rien comparé au fait que vous êtes sous contrôle judiciaire. Comment vous avez appris ça, hein ? Mon petit doigt est renseigné. Bon, ne soyez pas seule de vous être trahie toute seule. Qui dit contrôle judiciaire dit interdiction de sortie du territoire. Et je voyais vraiment pas pourquoi une petite arriviste comme vous refuserait un séjour tout frais payé dans un hôtel 5 étoiles aux côtés d'un beau jeune homme. Ça ne collait pas avec votre profil psychologique, alors j'ai fouillé. Et si vous dites quelque chose à Cipriani sur ma relation avec son fils, vous pouvez dire adieu au job. Et à votre carrière en général. L'aïeul a repris la main. Ne vous inquiétez pas, le docteur Pikowski est un excellent médecin. Il suit la famille depuis des années. Vous pouvez avoir confiance. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est encore le drame ? À croire que vous aimez ça, vous. Lorraine est malade. Et le docteur est en train de l'ausculter. Mais je n'y suis pour rien. Vous saviez très bien qu'elle ne serait pas capable de supporter la vérité. C'est vous qui l'avez poussée. Non, mais qu'est-ce qui me chante, ce naze ? Espèce d'ordure. Qu'est-ce qu'il a, le bouseux ? Je te rappelle que t'es chez moi. Mais arrêtez, vous êtes ridicule ! C'est coin frêle ! Philippe, arrête ! Après ce qui vient de se passer, Philippe, je te demanderai d'avoir la décence de t'en aller. Va-t'en, je t'en prie. Je suis désolé, je me suis emporté. Non, mais vous inquiétez pas, il m'arrive très souvent d'avoir envie de taper sur Philippe aussi. Alors ?
Votre nièce est dans un état critique. Il faut l'hospitaliser d'urgence.